des clémentines, des litchis, des kiwis ou encore des poires. Voici quelques-uns de vos meilleurs alliés entre les gros repas de fête. Ce matin, au marché couvert de Challans, on cherche à manger plus diététique. Il faut manger des fruits, des légumes. Ça n'empêche pas de faire la fête et de manger sainement. Après les fêtes, on se met un peu au régime. Il faut manger des fruits. Les fêtes religieuses sont faites pour ça aussi un petit peu. Donc, il n'y a pas que la grosse bouffe. Du côté des légumes, il y a une autre star du moment, la mâche. Source de cuivre, de manganèse, de potassium, la mâche est surtout riche en fer, en vitamine C et en oméga 3, ces acides gras essentiels pour notre corps. Sur cette exploitation maraîchère du côté de Notre-Dame de Riez, la plus grosse demande s'effectue durant la quinzaine des fêtes de Noël et du Nouvel An. Les volumes sont doublés, c'est simple, sont doublés sur 15 jours de fin d'année. En période d'hiver, c'est entre 4 et 5 tonnes et pendant ces fêtes, ça monte jusqu'à 10 tonnes semaine. Peu caloriques, riches en vitamines, les fruits et légumes, c'est la solution idéale après les repas fastueux et très souvent trop copieux.